Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'AMVS, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation hydrologique au 29 septembre 2022 au niveau des principales stations du fleuve Sénégal se présente comme suit. Pour les stations sur l'affluent principal à Sokotoro sur le Bafing en Guinée, le niveau de l'eau est à la cote 2,34 m à l'échelle. La tendance est à la baisse. À Balabori sur le Bafing en Guinée, le niveau de l'eau est à la cote 4,12 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Manantali en amont du barrage au Mali, le niveau de l'eau à la cote 206 m 43 IGN, la tendance est à la hausse. La cote normale de le remplissage de la retenue est à 208 m 05. Pour ce qui est des stations sur le fleuve Sénégal, à Kaï, le niveau de l'eau est à la cote 6 m à l'échelle, la tendance est à la baisse. La cote d'alerte à la station de Kaï est à 8 m à l'échelle. À Bakel, le niveau de l'eau est à la cote 9 m 25 à l'échelle, la tendance est à la baisse. La cote d'alerte à la station de Bakel est à 10 m à l'échelle. À Matam, le niveau de l'eau est à la cote 8 m 46 à l'échelle, la tendance est à la baisse. La cote d'alerte à la station de Matam est à 8 m à l'échelle. À Podor, le niveau de l'eau est à la cote 5 m 21 à l'échelle, la tendance est à la hausse. La cote d'alerte à la station de Podor est à 5 m à l'échelle. À Richard Toll et Rosso Mauritanie, le niveau de l'eau est à la cote 3,08 m à l'échelle. Le niveau est stable. La cote d'alerte à la station de Richard Toll est à 3,05 m à l'échelle. À Djama, en amont du barrage, le niveau de l'eau est à la cote 1,52 m IGN. La tendance est à une légère hausse. À Saint-Louis, le niveau de l'eau est à la cote 1,19 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. La cote d'alerte à la station de Saint-Louis est à 1,75 m à l'échelle. En résumé, dans le haut bassin, la tendance est à une baisse des écoulements sur les affluents Bafing, Bakoy et Falémé. Le remplissage de la retenue de Manantali continue. Dans la haute vallée, le passage d'une onde de crue a été observé cette semaine et une montée des eaux est attendue en basse vallée. Le niveau d'eau aux stations de Matam et de Podor reste au-dessus des cotes d'alerte. Le barrage des Djama est ouvert pour permettre l'évacuation des eaux de crue vers la mer. Pendant le passage de l'onde de crue, les populations de la vallée et du delta du fleuve Sénégal sont appelées à rester vigilantes et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux éventuels débordements du fleuve qui pourraient survenir par endroits, notamment en cas d'épisode de pluie locale. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin.